Si place ça propre, bien nettoyé, ça m'a été. Propreté, et puis, vite manger là bon. Il vous a été hygiène, oui, hygiène, c'est propre. Après, là, nous, on s'est mangé. Et comment là, c'était par exemple, ban de légumes, tout ça, qui vous guetté? Premièrement, nous guetté, c'est Michel là. Premièrement, il vous a mis ce masque avec ce légant. Et comment il peut servir? Et après, nous guetté, propreté, après, nous prend qualité. Madame, messieurs, bienvenue dans cette émission-là. Aujourd'hui, nous pouvons causer le risque qui est lié avec les aliments, si jamais ils sont contaminés. Et il y a donc plusieurs mesures qui bien prend pour éviter justement l'intoxication alimentaire. Nous vous donc causer là dans cette émission-là. La sécurité alimentaire, c'est une condition qui garantit suffisamment de nourriture qui est propre à la consommation à tout un chacun. Et pour arriver à ça, nous devons respecter toutes les normes sanitaires à tout niveau de chaîne alimentaire pour assure la qualité et la sécurité des aliments. Donc, qui est capable d'arriver si nous consommons un aliment qui n'est pas propre à la consommation? Nous sommes capables de gagner une intoxication alimentaire. Avec des symptômes comme diarrhée, vomissement, crampes abdominales, la fièvre et déshydratation. À Maurice, selon le Health Statistics Report, en l'année 2016, nous avons 147 cas d'intoxication alimentaire qui sont rapportés. En 2017, nous avons 208. Et en 2018, il y a 65 cas d'intoxication alimentaire. Et dans le monde, selon une estimation de l'OMS, il y a environ 600 millions de personnes qui gagnent intoxication alimentaire et 420 000 personnes qui décédaient à cause d'intoxication alimentaire par an. Intoxication alimentaire, y arrive quand une personne consomme un produit qui vient contaminé. On a trois types de contamination des aliments. Premièrement, une contamination physique. Côté dans une présence d'un corps étranger, par exemple un morceau de verre, métal ou bien cheveux. La deuxième, c'est la contamination chimique, côté dans la présence des pesticides résiduels dans les aliments. Il y a aussi des résidus antibiotiques, par exemple dans les viandes. Le taux de métaux est élevé. Et la présence de toxines qui parfois est naturellement présent, par exemple aflatoxine dans les grains secs. Et aussi des toxines qui sont produites par des bactéries. Et la troisième, c'est la contamination microbienne. Par des pathogènes comme salmonelle, E. coli, listeria et la vibrio choléra, et aussi des virus comme hépatite. Qui ban contrôle zot faire au terrain? Nous avons le Food Act 1998 et Food Regulation 1999 qui réglementent tout en ce qui concerne les normes d'hygiène alimentaire et hygiène personnelle. Nous, les officiers du ministère de la Santé, le Public Health and Food Safety Inspectorate CADE, nous avons l'autorité pour appliquer ces règlements-là, pour assurer que toutes les mesures sanitaires sont respectées à tout niveau, que ce soit au niveau de production, de préparation, cuisson, la vente, stockage des produits alimentaires. Nous faisons une inspection routine et aussi nous atteignons une complainte qui nous gagne en ce qui concerne les produits alimentaires. D'après nous, la loi, le Food Act Food Regulation, nous avons une provision des règles générales. Par exemple, Regulation 3, l'ICOS, le labeling, l'étiquette, un produit pre-packed food qui vient. Ça, c'est très important parce que il donne information au consommateur concernant ce produit. Par exemple, le nom du produit, la date d'expiration, date de production, il aussi fait mention et qui ban ingrédients qui est là. Il y a une personne qui est allergique avec certains types de produits. C'est un tout simple renseignement. Un autre exemple de règle générale, nous avons le Food Regulation 33 qui réglemente le bâtiment et les facilités que les locaux alimentaires bien respectés. Et par exemple, le flooring, la porte, la fenêtre, self-closing device, et anti-mouche et tout. Qui ban les autres quelque chose qu'ils ont checké? Nous avons une norme spécifique, par exemple, pour les additifs alimentaires, qui est autorisée et la quantité qui est autorisée pour servir dans les aliments. Par exemple, couleur, nous avons un conservateur alimentaire. Nous aussi, nous avons le nombre pour les contaminants, par exemple, le taux de métaux qui est bien respecté, microbes qui est acceptable et aussi les toxines, par exemple l'aflatoxine dans les grains secs et tout. Et aussi, nous avons le nombre de matières grasses saturées
qui bien respecté dans ban produit qui servit de l'huile. Qui ban mesure zout prend si y a ban manquement? Pendant nous ban inspection, si on met ban manquement dans ban bâtiment et facilité, nous servit ban improvement notice. Un improvement notice, c'est pour dire à la personne pour faire ban amélioration que y a ban manquement. Nous donnions un délai de 14 jours pour faire les travaux. Si jamais dans 14 jours, il n'est pas capable de terminer son travail, nous faisons une extension de 14 jours encore, deux fois. Nous aussi servons une prohibition order dans le cas que l'activité représente un danger pour la santé publique. Le prohibition order, c'est nous dire à la personne pour arrêter l'activité tout de suite. Nous avons aussi provision pour emergency closing order, suivant le notice before issue of emergency closing order, que si un bâtiment n'est pas capable d'améliorer en même temps qu'il peut travailler, qu'il peut faire son activité, il peut close down pour lui faire tout ce ban amélioration. Ensuite, nous wave ce emergency closing order pour lui capable de commencer travail. Nous aussi prenons une contravention. En 2016, nous avons 434 contraventions qui nous prennent. En 2017, nous avons 449. En 2018, nous avons 414. Et l'année dernière, 2019, nous avons 276 contraventions qui nous prennent ban commerçants qui concernent la vente de produits alimentaires. Qui ban teste, qui fait? Nous aussi prenons une extension pour déterminer le fitness du produit. Nous faisons une vérification physique, par exemple, nous vérifions le labeling, date, texture ou bien un signe de décomposition du produit. Nous prenons une extension pour faire une analyse microbiologie, ça se fait à laboratoire du Candus. Et aussi, nous prenons une extension pour faire une analyse chimique. Quand nous prenons en trois parties, une partie nous envoie au laboratoire, une nous remet la personne et une nous garde au niveau du bureau. En 2019, nous tenons 1150 extensions chimiques qui nous prend et 876 extensions microbiologiques. Nous aussi effectuons une saisie et un produit qui est périmé ou bien qui est avarié, que nous ne sommes pas capables de mettre sur le marché, ou bien qui peut vendre. Quand nous faisons inspection, nous trouvons un produit qui n'est pas propre à la consommation. Nous faisons une saisie et nous procédons à la destruction. Qui était un pre-market approval permit? Nous avons le pre-market approval permit, que actuellement, dans la liste, nous avons 6 produits qui concernent, et c'est un pre-packed food. Pour avoir un pre-market approval permit et une procédure, au début, la personne a besoin d'emmener ce artwork avec ce labeling au bureau plus proche dans sa région pour faire une vérification. Si ce labeling comply avec nos regulations, nous donnons une checklist pour faire un test chimique et microbiologie. Et si ce test est OK, si tout standard OK, là nous procédons, nous faisons faire son application pour nous donner ce pre-market approval permit pour le produit. Qui arrive quand il y a un cas confirmé d'intoxication alimentaire? En ce qui concerne l'intoxication alimentaire, sous la loi Public Health Act 1925, un médecin traitant, que ce soit public ou privé, il y a une obligation pour notifier tous les cas d'intoxication alimentaire au bureau sanitaire le plus proche. Suite à la notification, l'inspectorat nous fait une investigation pour qu'une cause du food poisoning. Et qui fait nous faire ça? Pour empêcher que les autres contaminations suivent. Il y a aussi le food importunate qui fait le border control, que tout le produit qui peut rentrer à Maurice, nous fait une inspection, nous fait un sampling, nous vérifier avant qu'il nous donne clearance et avant que ça produit là rentre sur le marché local. Il y a une action qui prend si jamais il y a un problème, même au niveau international. Nous avons le Rapid Alert System for Food and Feed qui notifie nous de un problème qu'il y a avec un produit. Si jamais nous gagnons une notification, là au niveau de Food Importunate, sur le border control même, nous finissons par une action, nous finissons par empêcher ce produit à rentrer. Maintenant, nous, la loi, il fait provision de toutes les normes qui nous a respectées. Mais comme l'industrie de l'alimentation est dynamique, il y a beaucoup de nouvelles choses qui évoluent. Là, ce qui est arrivé, quand nous payons les normes de nous, la loi, nous fait référence à Codex Alimentarius pour comply avec sa bonne régulation. L'important qui tout dit bon qui manipule manger, c'est qu'il y a un Food Handlers Certificate et aussi il y a toute une série de mesures précautions qu'ils ont besoin de prendre. Un Food Handler, c'est une personne qui engage lui dans la préparation, cuisson, service, vente, production, l'emballage, transportation, distribution ou même livraison de denrées, de produits alimentaires. La loi oblige un food handler reste en possession un food handler certificate quand il peut travailler. D'après les règlements,
Un food handler bien capable de produire ce food handler certificate à la demande d'un authorized officer. C'est qui un authorized officer? Un authorized officer, c'est un officier sanitaire du ministère de la Santé. Bien sûr, un food handler certificate est bien valide. La période de validité, c'est pendant 2 ans de la date d'émission. Un food handler certificate est certifié qu'un food handler in faire un examen médical et aussi il certifie que la personne in suive un cours de formation en hygiène alimentaire qui est très important pour aider le food handler maintenir la sécurité sanitaire des aliments et aussi empêche ban cas d'intoxication, empoisonnement alimentaire et contamination alimentaire. Qui bien faire pour gagner sa certificat food handler là? Une personne concernée qui a envie apply pour un food handler certificate, il besoin apporte ses 2 photos passeport et présente sa carte d'identité au bureau sanitaire plus proche de sa résidence. Ensuite, au bureau sanitaire, il apply pour un food handler certificate, il pour recevoir un rendez-vous, il pour besoin suivre un cours et aussi il besoin passe par un médecin. Ensuite, après 2 ans, la personne pour besoin resuivre cours et repasse par un docteur. De janvier l'année 2019 à janvier 2020, le nombre d'émissions de food handler certificate tombe à 32 749, c'est-à-dire 32 749 personnes fin formées l'hygiène alimentaire et il fait aussi un screening, un medical check-up par un médecin avant qu'il commence à travailler dans un établissement de l'alimentation. J'ai envie aussi ajouter qu'ici une personne dans une industrie alimentaire paye un food handler certificate, devine une offense et l'époux en contravention. Peu importe qui offense qu'il nous commette après le Food Act, sa fine n'est pas moins que 2000 roupies et capable même d'un emprisonnement pas plus que 2 ans. Qui ban mesure hygiène qui primordial quand manipule manger? D'après Food Regulations, une personne qui peut manipuler des denrées alimentaires, il faut maintenir un haut niveau de propreté corporelle. Bon, premier, nous pouvons avec la peau, il y a beaucoup de bactéries qui vivent dans la peau et qui restent dans notre transpiration, nous transpirer. Donc, il est bien important qu'un food handler prenne ce bain, il lave la bouche, les nez, les oreilles, la main avant qu'il y aille dans ce lieu de travail. La main, c'est une façon plus facile pour que les bactéries capables contaminent une nourriture. Et l'important alors qu'ils nous lavent la main correctement. Nous bien lavons la main quand nous perdons dans nos places de travail. Après qu'il y a une personne qui sort de toilette, nous bien lavons la main, bien sûr, parce qu'il y a une personne qui nous appelle une bonne healthy carrier, c'est-à-dire une personne qui est porteur de bactéries dans notre écho, mais qui n'a pas montré aucun symptôme. Et cette personne-là, si je ne passe aux toilettes sans qu'ils se lavent la main, définitivement, cette bactérie-là pour la surface de la main. Et là, quand je peux manipuler, manger directement, je peux transférer sa micro dans sa produit alimentaire. Là. Donc, l'important dans tout bon atelier de production, dans un établissement alimentaire, bien il y a un wash and basin, ce qu'ils nous appellent un lavabo, avec running water supply, ça veut dire que de l'eau peut couler, nous avons un détergent ou savon que, avec un broson que capable de laver la main correctement et broson. En bas nous avons, il y a beaucoup de bactéries, alors l'important, le primordial qui est un food handler coupe ses ongles, ça veut dire qu'il garde ses ongles courtes afin que les microbes ne ramassent sous ce banzon. Et pas besoin de mettre de faux ongles quand on travaille avec manger. L'important aussi qu'il ne pas applique vernis à ongles. Ce qui fait nous dire pas applique vernis à ongles, vernis à ongles n'est pas permanent. Il est capable de flèche, il est capable de casser ou bien s'écailler, il tombe dans manger. Besoin aussi bien couvert la tête quand manipule manger. Scientifiquement prouvé par jour, une personne capable de perdre jusqu'à 100 cheveux. Donc, cheveux, même s'il paraît propre, c'est un réservoir de bactéries. Et il est bien important quand une personne peut travailler, il bien attache ses cheveux dans un établissement alimentaire, il attache ses cheveux et bien sûr, il bien porte une cape ou il porte un hairnet, c'est-à-dire un filet à cheveux, quand il ramasse tous ses cheveux à l'intérieur afin que les cheveux ne tombent pas dans mon zé. Pas besoin de porter aucun bijou quand il travaille avec un produit alimentaire. Donc, monte
Zano, bague, piercing, tu ne seras pas gagné un droit à faire quand nous dans un établissement alimentaire. Si une personne ne paye pas de bijoux, là, il transpire. En bas, ça va un bijou là. Par exemple, nous avons une bague même, nous avons une montre, nous avons une transpiration qui est accumulée, et même une dette, une sale qui est accumulée. Là, si nous pouvons manipuler le manger, nous pouvons transférer un microbe, une bactérie dans le manger. Puis la loi cause aussi le parfum faux. Une personne participe pour un parfum. Un faux quand il travaille avec manger, qui raison parce qu'il y a une nourriture qui absorbe sa parfum faux là. Et là, on trouve qu'on peut consommer sa produit alimentaire là, il peut gagner sa goût, sa parfum. Il est illégal pour fumer cigarette quand nous peut manipuler manger. Personne pas supposé fumer dans une place de travail. Si une personne peut fumer, il peut tout sur la bouche. Et tout cela lève, là qu'il y fait, ça va un microbe dans sur la bouche là, il transfère, il vient l'eau sur la main. Et quand il peut manipuler le manger, il peut transférer sa bande microbe-là également dans sa nourriture. Là. Et en même temps, mégo cigarettes capables de tomber dans manger, cendre de cigarettes capables de tomber dans manger. Et il aussi dit que quand une personne y fume, il encourage les pour tousser. Et si sa personne n'a pas toussé, elle l'amène en cigarette et elle peut tousser. Là, est-ce qu'il peut gagner le temps, retient un mouchoir pour mettre que sur la bouche, pour éviter de la crache se dans manger. Qualité linze qui mettait aussi l'irréglementé. Ils importent un vêtement protecteur approprié, c'est-à-dire un overall. Et comment ce vêtement protecteur là bien été? Ils ont de préférence une couleur claire, préférablement blanc. Qui fait préférablement blanc, s'il est sale, nous facile remarquer, il est visible. Mais s'il peut porter un vêtement protecteur couleur noir ou gros bleu, là s'il est sale, nous pas pour connaître. Et qui sous fréquence de changement, tous les jours, les bisins sont ça overall. Les capables, au cours de ce travail, si, dépend de qui zone ils peuvent travailler. Par exemple, si une personne peut travailler dans une zone de quotidien manipulation poisson, la viande crue, là, ce overall peut sale facilement, capable d'une trace de sang ou même écaille poisson qui saute sur ce overall. Donc, avant qu'il y ait retourne ni dans un food preparation area, ça veut dire que tu peux faire manipulation manger, que tu peux préparer ready to eat food. Là, les besoins changent ce overall et un overall pas si pesé pour lui à l'extérieur de ce food establishment. Les besoins portent ce overall simplement à l'intérieur. S'il peut prendre même une pause pour prendre ce repas, pour aller fumer ou passer aux toilettes, les besoins retirent ce overall après l'y prend ce pause, sinon qui peut arriver s'il est à la toilette avec le même overall, la microbe qui dans la toilette pour reposer dans ce overall. Un food handler, il n'est pas besoin de ban sandalette ou savate quand il travaille dans un food establishment. Il est besoin de chaussures ou bottes appropriées pour ne pas glisser et protéger ses pieds. Et sa bande bottes et chaussures, il a besoin d'enlever désinfecter régulièrement. Les gants sont optionnels, ça veut dire qu'il y a une bonne place que nous servir les gants, mais si vous pouvez déjà là vous la mettre, vous n'êtes pas obligé de porter les gants partout que vous pouvez travailler. Mais si vous pouvez servir les gants, vous pouvez servir les disposable gloves, ça veut dire les gants jetables. Quand on finit le travail, vous ne pouvez pas prendre même les gants ou passer aux toilettes ou revenir manipuler, manger avec même les gants. C'est une pratique qui nous vient empêcher. C'est si une personne est blessée, il y a une plaie sur la main. Là, qu'il est pour faire, les bisins mettent un pansement sur sa blessure ou sa plaie. Sa pansement qu'il peut mettre là, les bisins un pansement imperméable. Ça veut dire waterproof dressing qu'il peut appliquer sur sa plaie. Et dans bonnes circonstances pareilles, nous conseillons sa personne à servir les gants. Mais sa waterproof dressing, les bisins de une couleur qui vive. Ça veut dire une couleur bleue ou vert. Si jamais les peut tombe dans manger, ou facile remarquer. Et nous connaissons une plaie et a beaucoup de germes, de pathogènes, ça veut dire pas une bactérie qui fait nous tomber malade. Et si un pansement il tombe dans manger, c'est une affaire qui est bien grave. Là, nous besoin discorde tout manger, ça veut dire nous jette tout manger, toute nourriture. Donc, dans ces bonnes circonstances, là, nous conseillons food handler porte ban les gants quand se pétra. Une personne qui travaille avec manger, il est bien en bonne santé. La santé est bien importante. En général, s'il n'est pas en bonne santé, il est souffrant, un food handler souffrant, il peut avoir une infection ou il peut avoir une malade comme diarrhée, vomissement, empoisonnement alimentaire, il est bien abstenir de sa food establishment. Il ne pas rentrer dans la cuisine, il ne pas travailler, il fait son patron ou management connaît, il prend congé. Après qu'il ait fini récupéré, il reprend le travail.
Voilà, nos émissions finies ici. Rappelle bien, il est important qu'il ou bien choisir ce qui vous peut manger, qui vous lave bien ou la main avant ou prépare manger ou avant ou manger, et aussi qui vous prend toute une série de précautions pour éviter une intoxication alimentaire. Merci pour l'attention. À la semaine prochaine pour une autre émission.